tous et bienvenue dans la quotidienne. Aujourd'hui, nous parlerons des techniques du ballon rond. Je vais bien sûr parler du football et ce sera l'occasion également de faire le point sur le mal-être du football calédonien. Jamie nous en parle dans notre rubrique C'est Sport. Et pour notre rubrique Demander le programme, c'est l'heure des sorties cinéma. Nous parlerons entre autres du film SMS et c'est l'occasion également de rendre hommage au comédien américain Robin Williams, décédé il y a 2 semaines. Et enfin, pour notre rubrique La Science et nous, nous parlerons de la disparition des animaux, entre autres des tigres. Alors il paraît qu'il resterait près de 3000 tigres sur la planète. Donc c'est le signe que tout va mal sur la planète Terre. On en parle avec Mara dans notre rubrique La Science et nous. Pour l'heure, retrouvons notre invité du jour. Alors, on a le plaisir de recevoir Miss Calédonie. Donc, bonjour, Mandy L'Aigle. Bonjour. Alors, vous êtes originaire de Poulouparis, de Tomo, hein, je crois. Hein. Oui, alors, c'est ça. Vous avez 19 ans, vous avez été élue justement Miss Calédonie. Bon, je vais poser un peu la même question que tous les journalistes. Alors, comment vous avez vécu cette soirée? Je l'ai vécu avec beaucoup d'émotion. J'étais très très heureuse que les Calédoniens m'aient apporté leur confiance et qu'ils m'aient choisi moi. Mmh. Et donc beaucoup de bonheur, un peu de surprise quand même parce qu'on ne s'attend jamais vraiment à l'être parce que c'est quand même un rêve qui se concrétise. Mmh. Et donc voilà, surprise, bonheur et beaucoup de plaisir. Alors comment a été la première semaine de la Miss Calédonie? Alors c'est un marathon médiatique un peu, c'est vrai que j'ai beaucoup d'interviews, beaucoup de rencontres avec des journalistes et quelques plateaux télévisés. Alors racontez-moi un peu, qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous présenter à cette élection? Alors c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire depuis longtemps. Mmh. Et c'était un peu quelque chose que je ressentais ici dans mon cœur. Je me disais, c'est peut-être ma place un jour d'avoir cette couronne et je me suis lancée dans l'aventure, un peu comme ça, sans avoir vraiment de réelles raisons. Mmh. Et c'est vrai que quand j'ai participé à l'aventure de Miss Nouvelle-Calédonie 2014, c'est ce qui m'a permis un peu de savoir pourquoi j'étais vraiment ici. Et c'est vrai qu'en grandissant, on se rend compte de nos responsabilités, du fonctionnement de la société. Et j'avais envie de vivre quelque chose de grandiose. Oui, j'avais envie de changer les choses pour moi. Et je me suis donc lancée dans l'aventure et je ne regrette pas. D'accord. Alors, c'est quoi pour vous être Miss Calédonie? C'est changer les choses en Nouvelle-Calédonie? C'est changer les choses pour certaines personnes, pour des associations? C'est quoi pour vous Miss Calédonie? Alors, pour moi, Miss Nouvelle-Calédonie, c'est donc changer les choses, oui, positivement pour mon pays. Si je peux le faire, ce serait vraiment avec un grand plaisir que je le ferais. Eh bien quoi, par exemple, à commencer par les associations caritatives calédoniennes. Mmh. Donc je suis bénévole à la SPONC, j'aimerais prochainement m'inscrire dans l'association Calédocline qui défend l'environnement. Et donc en fait, si je peux apporter du changement aux Calédoniens et toute la Nouvelle-Calédonie, je le ferai avec grand plaisir. Donc tout ce que je peux apporter, j'apporterai avec plaisir. D'accord. Alors Miss Calédonie est aussi une sportive. Ça, j'avais fait un peu ma petite enquête. Vous avez été également championne d'athlétisme hein, aux Jeux du Pacifique 2011. Oui. Est-ce que vous comptez continuer dans ce chemin-là du sport? Dans le sport, non. Plus en compétition. Je continue le sport pour mon plaisir personnel, mais plus en compétition. D'accord. J'ai plus ce goût de compétition comme avant. Alors justement, mes confrères, on va dire les médias ont beaucoup insisté sur vos origines, beaucoup dans les articles. Est-ce que c'était pour vous important justement de le mentionner, que vous avez, en parlant de vos origines, vous avez du sang kanak, calédonien, caldoche. Oui. Est-ce que c'était important pour vous de le dire? Oui, c'est important. Je suis très fière d'être métissée mélanésienne. Mmh. J'ai le statut particulier de mélanésienne de par ma mère. Et c'est vrai que c'est une fierté pour moi d'avoir baigné dans différentes cultures et de pouvoir maintenant représenter un peu la Nouvelle-Calédonie de par mon métissage. Mmh. Et
le montrer au monde entier, c'est important pour moi. Alors, prochain objectif, c'est l'élection de Miss France. Est-ce que vous avez un peu pris connaissance de vos adversaires? On sait qu'il y a Miss Alsace qui a été élue, Miss Languedoc, Miss Martinique. Est-ce que vous avez pris un peu J'ai regardé un peu, j'ai fait ma petite curieuse. Mmh. C'est vrai que la concurrence sera bien présente, mais je vais y aller à 200% et je vais donner le meilleur de moi-même. Ensuite, on verra bien, mais l'essentiel pour moi, c'était vraiment d'arriver à représenter le pays auquel j'appartiens, la Nouvelle-Calédonie. Et donc, voilà, je vais partir gagnante pour moi et on y croit fort. D'accord. Alors, quels sont les autres projets de la Miss Nouvelle-Calédonie? Donc, parce que Miss Calédonie, c'est une année quand même, l'année 2014 et 2015 là, qui arrive. Quels sont vos projets? Alors, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai pas encore de projet très, très concret. Pourquoi pas profiter de cette année pour créer ma propre association et ensuite faire tout ce que je peux faire. Une association sur quoi exactement? Je suis passionnée des animaux, voilà. Mais ensuite, on verra. J'ai envie de toucher un peu à toutes les choses, donc nous verrons bien. Alors, pour terminer cet entretien, est-ce que vous avez un message à passer aux Calédoniens aujourd'hui? Oui. Merci d'ailleurs de pouvoir me donner cette opportunité. Oui, j'aimerais remercier tous les Calédoniens qui m'ont soutenue, qui ont cru en moi et qui m'ont offert ce bonheur qui m'est tombé un peu sur la tête le soir de l'élection. Sans eux, je ne serais pas ici et je vais me donner à 200%. Je vais donner le meilleur de moi-même et j'espère les faire rêver et les rendre fiers de moi lorsque je serai à Miss France. Et voilà. Je pense que beaucoup de gens de Tomo et de Poulouparis ont voté pour vous. Vous avez un message particulier pour eux? Eh bien, je suis très contente, merci. J'espère vous rendre fiers et montrer un peu ce que les Calédoniens sont capables de faire en France. Mandy L'Aigle, merci d'avoir accepté merci cette invitation. À vous. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour Davina, donc je te reçois pour l'agenda du pays. Oui, bonjour Élise et bonjour à vous à la maison. Comme d'habitude, je suis là pour vous donner des infos sur ce que vous pouvez noter dans vos agendas, en termes d'actualité on va dire. Oui. On va commencer tout de suite avec l'association Les Amis du Musée qui organise une soirée vendredi 5 septembre du côté du Musée de la Nouvelle-Calédonie. D'accord. Il y aura un spectacle, une rencontre on va dire entre les danseuses de Pambay et les danseuses de la troupe Pouetchecha. Ceux qui veulent avoir des informations, je vais déjà donner le numéro, donc le 27 23 42. Voilà, un beau spectacle, une belle rencontre pour ceux qui sont dans les parages, à ne pas louper. Voilà, une belle rencontre qui permettra peut-être une fusion entre troupes. Voilà, ceux qui sont dans les parages vendredi, cordiale invitation à tous. Et puis, on va du côté de Pointe-Bout pour un autre spectacle. Oui, on va à Pointe-Bout pour un spectacle, comme tu l'as dit, là, c'est donné par l'association Raconte-moi Pointe-Bout, c'est l'organise son spectacle annuel, un spectacle de son de danse avec une rétrospective sur les différents transports qu'il y a eu. Il sera illustré, bien sûr. Pour ceux qui sont du côté de Pointe-Bout, notez la date, ça se passera donc le samedi 6 à partir de 19h30 au château Grimini. Il faut savoir qu'à la suite de ça, il y aura une semaine d'exposition. Donc à partir du lundi 8 et jusqu'au samedi 13 septembre, il y aura une exposition dans les caves du château Grimini, une exposition qui s'appelle donc Circulons. D'accord. Et pour la suite de l'agenda, on va circuler justement jusqu'à Poya. On va aller à Poya où l'association Poya Sud, en partenariat avec Vivaro Neco, organise eux une journée culturelle. Donc sur le thème cette année de rencontres autour de la cochonaille, voilà c'est dit, ça se passe le samedi 6 septembre du côté de Moinda de 8h à 16h au programme démonstration bien sûr culinaire autour du cochon et puis différentes animations. Le petit mot du comité organisateur à l'intention de vous chers amis téléspectateurs, c'est n'oubliez pas vos glacières. Et vos cochons, non je plaisante. Et on va parler sport du côté du quartier de Pierre-Lanquette et de Mouravelle.
Pierre Lanquette et Moravel, il y aura un tournoi organisé par l'association Cosmos, tournoi de volleyball et de football à 7. Ça se passera du côté du plateau sportif de Moravel, le samedi 6 toujours. Le contact pour ceux qui souhaitent avoir des informations, le 71 11 64. Mmh. Les inscriptions pour le tournoi se font le jour même là-bas, à partir de 8h. Et puis à noter qu'il y aura aussi un plateau musical. Donc d'accord. Une scène qui va accueillir entre autres Ecoten et Ingrid Ocher. Et puis ben, pour ceux qui le souhaitent, la scène est ouverte. Si vous avez envie de partager une chanson, je pense à toi Élise, tu vas aller chanter. Voilà. Rendez-vous samedi du côté de Pierre Lanquette. D'accord. Voilà une occasion d'aller les écouter et d'aller danser. Et on termine cet agenda en allant en province nord, du côté de Poum. Du côté de Poum, où il y aura le premier salon des nouvelles technologies de l'éducation. Ça se passera demain, jeudi 4 septembre, du côté de l'espace Chélo, je vous l'ai dit. C'est organisé en partenariat entre la province nord et la mairie de Poum. Le but, c'est de faire entrer les nouvelles technologies dans l'école de nos jours. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, il y a une adresse mail donc, qui doit s'afficher snte@cbk.azepoum.org. Voilà, Élise, qui clôture mon agenda du jour. Voilà, n'hésitez pas parce que c'est le premier salon du genre dans la commune. Merci Davina, à demain. Merci Élise, au revoir tout le monde. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique C'est Sport. Dans ces sports, aujourd'hui, le football assure son avenir et mise énormément sur la formation de la jeunesse. Une bonne nouvelle pour le football calédonien, surtout en ce moment, n'est-ce pas Jamie? Bonjour. C'est clair. Bonjour Elise et bonjour à tous. Former et éduquer la jeunesse, c'est le quotidien de tous les éducateurs sportifs du pays et notamment dans le football. À Point-d'Imier, Michel Clark a réuni une dizaine de jeunes passionnés de football durant un stage de 3 jours. Objectif, monter une sélection qui représentera la province nord et le pays en Nouvelle-Zélande. Bien que le football calédonien Élise traverse la pire période de son histoire, certaines personnes continuent d'inculquer tout leur savoir et leur passion qu'ils ont pour le football afin d'éviter que le premier sport des Calédoniens soit déserté par nos jeunes footballeurs. C'est vrai qu'en l'espace de quelques temps, il y a eu 2 agressions d'arbitres et une bagarre entre l'AS Magenta et l'AGJP. Il est clair que le football calédonien traverse quand même une période difficile. Une période parsemée d'agressions verbales, mais surtout physiques, qui est également, il faut le rappeler, visible, je dirais, dans le monde professionnel. Les stades des clubs français aussi nous proposent des scènes qui n'ont rien à voir avec le football et aucun sport d'ailleurs. Le dernier en date, c'est le fameux coup de tête de Brandao, a asséné au joueur parisien Thiago Motta aux abords des vestiaires, une vidéo qui a fait le tour du monde. Donc voilà, ce sont des genres d'images que l'on n'aimerait pas voir, mais malheureusement qui sont assez fréquentes sur nos terrains. Voilà. En Nouvelle-Calédonie, eh bien, écoutez, c'est cette image publiée dans un article des Nouvelles-Calédoniennes, de Johan Bako, l'attaquant du FC Gaïcha, qui avait violemment agressé l'arbitre de la rencontre, donc du match qui opposait le FC Gaïcha à l'AS Magenta. Alors, dans ce genre de situation, on se demande à qui la faute. Alors, certes, le geste du joueur n'est pas excusable. Alors, il est inacceptable, mais ça montre qu'il y a vraiment un véritable malaise en ce moment. En effet, Élise, de nombreuses questions persistent. La première, on se demande pourquoi il a réagi ainsi sur le terrain, sachant que c'est un joueur qui est de nature très calme et qui arrive toujours à se contrôler. Que fait la Fédération calédonienne de football? Comment réagit le corps arbitral? Plusieurs problématiques, bien évidemment, nous avons soumises aux différentes personnes concernées. La première réaction vient du joueur en question, Johan Bako, qui présente ses excuses auprès de l'arbitre, mais également auprès du public calédonien. On l'écoute. Ben voilà, je tiens à m'excuser auprès de l'arbitre et toute sa famille, ses proches, ses amis. Voilà, je m'excuse par rapport à ce geste parce que c'est pas un truc à faire et c'est hors de moi-même. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de geste. Mais je m'excuse envers mon club. Je demande pardon à mon club, aux étrangers qui sont venus jouer dans mon club. Je m'excuse surtout par rapport à la jeunesse
du football calédonien. Et au public, ils sont venus regarder le match car ce geste-là, ce n'est pas des trucs à faire devant la jeunesse car ils nous regardent comme des exemples. Et je tiens à m'excuser par rapport à la jeunesse. Je veux avancer dans le foot et surtout dans la sélection A. C'est une grande chose pour moi. Et je rêve de porter ce maillot, de mouiller le maillot pour le pays. Et sur ce geste-là, je sais que ma sanction sera lourde. Et le foot pour moi, c'est ma vie, c'est toute ma vie. J'ai joué depuis l'enfance, depuis tout petit, jusqu'à cet âge-là, jusqu'à mon âge d'aujourd'hui. Et je ne veux pas que ça s'arrête là par rapport aux gestes que j'ai faits. Je veux continuer dans le foot. J'ai mes raisons pour ce geste-là, mais je tiens à demander pardon auprès de M. Dean. Je tiens aussi à m'adresser à la jeunesse par rapport aux gestes que j'ai faits. Ce ne sont pas des gestes à faire. Et toujours jouer dans le fair play, l'esprit du groupe, avoir l'envie de gagner, mais pas de faire ce genre de gestes que j'ai faits. Là, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à la future jeunesse du football calédonien. Merci. Et pardon encore à M. Dean. Voilà, après les excuses de Yohann Bako, Joël Guillaume, président de la Commission fédérale des arbitres de Nouvelle-Calédonie, nous parle, lui, du statut des hommes en noir que l'on retrouve sur le terrain calédonien. Il évoque également leur mécontentement. Selon lui, le football local souffre encore de nombreuses lacunes d'organisation de la Super League. Joël Guillaume, on l'écoute. Oui, bien entendu, nous acceptons ces excuses, hein, les arbitres, l'arbitre agressé ce samedi, et la commission fédérale de l'arbitrage accepte ces excuses, donc surtout vis-à-vis des jeunes footballeurs. Bon, il n'y a pas de problème, nous acceptons ces excuses. L'arbitre et l'arbitrage est régi par un statut de l'arbitrage. Ce statut, après 2-3 années de travail, a été voté en Assemblée générale le samedi 19 décembre 2009 lors de l'Assemblée générale de Yengen. Donc, par exemple, ce statut de l'arbitrage pour les clubs de Super League et de promotion d'honneur de Grande Terre depuis que cette promotion d'honneur Grande Terre est en place, stipule que chaque club doit présenter 3 arbitres. En plus, ces 3 arbitres doivent officier pour la Super League à 12 reprises et pour la promotion d'honneur Grande Terre à 10 reprises. Ce statut stipule également que si les arbitres n'officient pas à 12 reprises, le club se verrait retirer 5 points. Et donc, les clubs qui n'ont pas le nombre d'arbitres se verraient également retirer 5 points. Cela marchait très bien jusqu'à la saison 2013, où les arbitres ont tous fait leur match. Seulement, les clubs qui ont été sanctionnés sont les clubs qui ne présentaient pas les 3 arbitres. L'arbitrage n'est pas assez soutenu au sein de la fédération. C'est ce que me disent mes collègues de la Commission fédérale de l'arbitrage, c'est ce que disent les arbitres. Depuis le début de la mandature, on a été un peu mis de côté. Donc maintenant, j'ai rencontré le nouveau secrétaire général qui m'a dit que cela changerait et que les arbitres et la Commission fédérale de l'arbitrage donc seront écoutés.
Alors, selon Joël Guillaume, la question de l'arbitrage reste symptomatique d'un problème plus profond dans le football calédonien et de son fleuron, la Super League, celui de l'adéquation entre des ambitions grandissantes et des moyens qui restent parfois artisanaux. Est-il possible un jour de voir un corps arbitral professionnel composé uniquement d'arbitres de la Fédération calédonienne de football, donc qui n'appartiendrait à aucun club, uniquement à la Fédération? On écoute la réponse de Nicolas Guillemard, le secrétaire général de la Fédération calédonienne de football. Professionnaliser les arbitres, ça peut être une idée intéressante. Certains membres du Conseil fédéral sont pour. Après, ça mérite quand même une analyse globale du dossier, notamment tout ce qui regarde aussi la montée en compétences et tout ce qui regarde notamment le financement, parce que c'est ça, l'ère de la guerre, le financement. Les clubs ne pourront pas s'exempter de payer, même s'il y en a un corps arbitral qui appartient à la fédération. Il faut donc prévoir toute cette organisation-là. Après, ce à quoi il faut penser, c'est que la fédération, elle est quand même au-dessus de toutes les compétitions qui ont lieu aujourd'hui dans le monde du football. Donc, il y a bien sûr la Super League, la PH Grande Terre, mais il y a également tous les clubs, même les petits, qui jouent après. Et donc, il faut les arbitrer. Donc après, il faut poser la question de manière globale. Il faut réfléchir aussi, notamment, comme je le disais, en termes de financement, parce que le financement, c'est le nerf de la guerre. Donc, il s'agit de trouver aussi des arbitres. Il faut savoir qu'en France, la 3F, donc les membres des clubs font partie, enfin les arbitres font partie des clubs. Les clubs doivent fournir quand même des arbitres de l'autre côté. L'objectif aussi, c'est de pouvoir aller chercher du monde dans l'arbitrage. Il y a des jeunes qui aujourd'hui peuvent être attirés par ce rôle qui est de le maître de jeu, le maître de jeu. Et aujourd'hui, il faut que ça soit valorisé d'abord au sein des clubs pour qu'on puisse recruter derrière. Donc ça peut être une idée intéressante, mais il faut, il faut la regarder dans toute son ampleur, et il faut la regarder dans toute sa complexité aussi, quoi. Mais en fait, aujourd'hui, on bénéficie notamment des fonds de la FIFA, on bénéficie de l'OFC, on a aussi une subvention du gouvernement. On a des subventions, mais aujourd'hui, on est au niveau financier, on ne va pas dire qu'on a une très grande souplesse. On veut entreprendre beaucoup de choses, mais on n'a pas une très grande... on n'a pas beaucoup d'argent, on va dire. Donc, on est quand même un monde associatif où toutes les personnes qui sont à la fois au Conseil fédéral et le président sont des bénévoles. Ils ne reçoivent aucun salaire. Donc aujourd'hui, ils travaillent, ils viennent ici. Donc on se doit d'aller chercher du monde volontaire et professionnel. Derrière, ça a des coûts. Globalement, la restructuration de la fédération se passe toujours par le biais du bénévolat. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des bénévoles. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est œuvrer pour le football et pour les jeunes. Donc l'idée, c'est qu'on puisse se rassembler tous autour de la table et de voir comment on peut avancer pour le football. Parce que comme je vous le disais, on est dans un milieu associatif. On a besoin de tout le monde. Personne n'a le monopole des bonnes idées, et donc le président Jules Mehoun a mis ça de l'avant, et donc on est aujourd'hui en discussion. On va chercher même dans les commissions des personnes qui appartiennent à des groupes qui à un moment donné étaient opposés à la fédération par l'intermédiaire des médias et tout ça. Donc aujourd'hui on souhaite vraiment œuvrer pour le football et les jeunes. Voilà, c'est donc sur cette intervention que l'on referme ce chapitre. On vient avec notre sujet principal, Michel Clark, qui a organisé un stage de détection pour repérer des jeunes de 14 ans qui composeront la future sélection de la province Nord. À l'heure où le football local traverse une période difficile, il est important de rappeler que des personnes continuent d'encadrer des jeunes qui ne souhaitent qu'une seule chose, bénéficier de plus de considération de la part de leurs aînés. Techniciens du ballon rond, c'est un sujet signé André Ravel. Là, ça y est, le papiton est un petit peu monté, maintenant on peut s'étirer. Allez, on s'étire. On m'a demandé il y a 3 ans de venir un petit peu relancer le football en province Nord et voir un petit peu ce que l'on pouvait mettre en place de façon à améliorer un petit peu au niveau de la qualité, jouer un rôle de conseiller, un rôle d'organisateur, un rôle de sélectionneur. Hé, c'est un peu n'importe quoi ça. Et là, il est à 3 mètres devant et la balle, elle monte à 2 mètres de haut. À quoi ça sert?
Voilà. Certains ont un bon potentiel, bon, certains ont quand même des pas mal de lacunes. Donc les objectifs du stage, bon, ils sont tout simplement de voir, de repérer les joueurs, de faire une fiche d'observation, de déterminer leurs points faibles, leurs points forts à tous les niveaux, technique, tactique, physique, psychologique. Et disons qu'après, établir une liste de possibles et puis qui sera plus ou moins augmentée, enrichie au fur et à mesure de nos visites que l'on fera lors des matchs. C'était déjà un peu mieux. Mais toi, tu restes trop sur ton aile. C'est bien que tu écartes comme ça, mais pense quand même de temps en temps à venir chercher un peu le ballon, hein. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On essaye, si on sait qu'on ne va pas y arriver, eh ben on n'insiste pas, on revient. Regarde, tu prends un ballon ici, non seulement tu fais une double faute, tu rentres en plein dans l'axe, tu vas perdre le ballon ici, regarde, on prend un but. Alors ce que tu fais toi à ce moment-là, tu libères la place, comme ça il va là-bas. Et puis ensuite, par un mouvement, tu tournes, parce que si jamais il ne réussit pas, si jamais il ne réussit pas, toi, tu es déjà là pour protéger. D'accord? D'accord? Ça s'appelle l'aide au porteur du ballon et on soutient constamment comme ça. OK, Ruben? Donc là, on veut surtout voir un petit peu leurs compétences et leurs aptitudes à jouer, voir s'ils possèdent en fait tous les fondamentaux, l'aide au bas, se déplacer, se replacer, aider le porteur du ballon, tout ça. C'est au moins vraiment le truc basique. Éviter les axes, éviter de perdre les ballons dans ces axes, c'est-à-dire dans ce grand couloir qui est en plein milieu et qui va des poteaux de but à ces poteaux de but-là. Ça, c'est danger. Allez, on reprend. J'ai réuni ces jeunes pour qu'on le fait parce qu'on a un objectif commun avec la province des îles qui est de sortir un peu nos meilleurs éléments et puis de leur montrer comment ça se passe un petit peu ailleurs. Donc ce projet, il avait pour but tout qu'on fait de faire en sorte que l'année prochaine on puisse se dépasser en Nouvelle-Zélande. Voir, bon, on n'a pas encore finalisé tout à fait le projet, mais donc, disons qu'il est sur de bons rails. Et puis donc ça passait forcément par une première détection de joueurs de 16 ans puisque cela va occuper surtout les 17 ans. Et d'autant plus que les 16 ans, c'est une catégorie difficile. Enfin, en province nord, il y a très peu d'équipes, très peu de clubs qui sont investis sur les 16 ans. Donc c'est aussi une manière de peut-être motiver un peu les clubs et de faire comme une petite carotte un peu qui va faire en sorte que les clubs aient envie de faire des 16 ans. Allez, maintenant, on met un peu plus de rythme parce que là, c'est petit tout ça. Hein. Oui, Anthony. Allez, reprends sur le côté, reprends là-bas. Ça s'appelle gâcher la marchandise. Le rêve de chacun est de devenir professionnel. Pour que le rêve devienne réalité, il faut déjà, si vous voulez, faire en sorte que le gamin ait déjà lui-même en lui-même un beau potentiel et ensuite bon, qui suit des entraînements vraiment sérieux de façon à ce qu'on développe ses potentialités, on développe sa technique, on développe tout cela. Bon, je ne pense pas que ce soit encore à ce stade-là. Chacun, on vous a confié un matériel, un maillot, un short débat, on va récupérer tout ça. Okay. Bon, on aura l'occasion de se revoir, on aura l'occasion de mettre tout ça en place, de bien peaufiner, parce qu'après, c'est comme un orchestre, il faut bien régler toutes les petites choses, même s'il faut revenir sur les détails, parce que c'est sur les détails qu'on perd des matchs, c'est sur des détails qu'on gagne des matchs après. D'accord? Allez, David. Sinon, je tiens à vous féliciter sur l'ensemble du stage. Sur le terrain, bon là on l'a vu ce matin, il y a la fatigue qui se fait ressentir. Mais sinon au niveau de l'investissement, du comportement, c'était bien. C'était positif, ok? Donc on va garder ça en mémoire et quand on se reverra, on travaillera, on passera encore un nouveau cap. Kagou! C'est pas Kagou ici, c'est Roussette. Voilà, on espère
on va dire que justement ce reportage, projet. Ce projet relancera le championnat des jeunes de 14 ans en province Nord, voilà. Car c'est une catégorie qui souffre du manque cruel d'équipe. Hein. C'est clair, une catégorie qui manque cruel d'équipe, comme tu viens de le dire. Donc une belle initiative mise en place par la province Nord et Michel Clark, d'autant plus que cette initiative propose à terme un déplacement en Nouvelle-Zélande. C'est un projet qui refait surface, car il y a quelques années, il existait déjà une sélection de la province Nord qui chaque année se rendait en Australie pour disputer des matchs amicaux. Résultat de cette, je dirais, de ce challenge mené par la province Nord, le championnat des jeunes, le championnat calédonien, a été longuement dominé par le club de la JS, qui est un club du Nord. Donc, ce qui est quand même assez, assez inédit, sachant que les championnats sont toujours, on va dire, entre guillemets, dominé par des clubs du Sud. On se souvient aussi d'un joueur qui fut longtemps meilleur buteur de la Super League à l'époque, Stanley Kabe. Lui aussi, il faisait partie de la sélection de la province Nord. Donc je dirais que c'est une belle initiative, une bonne nouvelle pour un sport qui compte tout de même 13 000 licenciés ici en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Merci Jamie. Merci Elise et merci à tous. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Grandeur Nature. Bonjour Camille, alors nous sommes en pleine période de nidification des sternes Nereis. Alors tu vas nous en parler un peu aujourd'hui. C'est ça, bonjour Elise, bonjour à tous. Alors effectivement, les sternes Nereis, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des oiseaux marins parmi les plus menacés au monde de disparition. Ils sont classés comme vulnérables par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'IUCN. Alors comment on reconnaît un sterne Nereis? Eh bien ce sont des animaux de petite taille, il faut environ 40 cm d'envergure et ils sont gris, blancs, on peut le voir d'ailleurs sur la photo. Ils ont aussi un petit bec jaune et au-dessus de la tête et ils sont noirs, voilà. Alors, c'est quoi sa particularité? Eh bien, sa particularité, c'est que c'est un oiseau nicheur et qui vit en colonie. Et pourquoi c'est un oiseau nicheur? C'est-à-dire qu'il pose son œuf directement sur le corail. Il n'a pas besoin de faire un nid et il reste là tout le temps, en fait. Et est-ce que tu sais qu'Élise, cet oiseau nichait sur l'Ansvata il y a encore un siècle et qu'il a failli disparaître? Alors, explique-nous pourquoi. Eh bien, pourquoi? Eh bien, à cause de la hausse de la fréquentation des lieux comme l'Ansvata, des lieux comme les îlots, ces oiseaux sont donc menacés par la présence humaine et donc ils s'en vont. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi la présence des rongeurs qui menacent l'habitat des sternes. Alors du coup, qu'est-ce qui est fait? Eh bien, qu'est-ce qui est fait? Eh bien, la SCO, la Société Calédonienne d'Ornithologie, mène plusieurs suivis, mène aussi des campagnes de protection des nids. Des suivis, eh bien, parce qu'ils baguent, des protections des nids parce qu'ils mettent des barrières pour empêcher les gens de marcher sur les nids. Et puis, ils mettent aussi en place des leurres. Des leurres pour justement attirer les oiseaux. Exactement, des leurres pour attirer les oiseaux. Alors, cette année, il y a une classe de Koumak, une classe de 6e SECPA qui a participé à la fabrication de sternes, mais aussi de la mise en place de ces leurres, enfin des leurres, on parle bien de leurres, de la mise en place de ces leurres sur l'îlot Tangadieu. Alors, juste petite précision, une 6e SECPA, qu'est-ce que c'est? C'est une classe d'enseignement général et professionnel à adaptés. Ce sont des élèves avec quelques difficultés, mais ils suivent un parcours, le programme s'appuie sur le programme de 6e. Voilà, donc cette classe a donc participé à la fabrication de leurres. Et comment ce projet a vu le jour? Eh bien, l'année dernière, ces élèves ont eu le droit à avoir un cours de plongée, un baptême de plongée autour de Koumak. Et ils se sont aperçus qu'il y avait énormément de déchets dans le lagon. Et donc là, la question est venue, mais comment les oiseaux qui vivent sur les îlots autour de Koumak peuvent survivre face aux déchets, face aux rongeurs, face à la présence humaine? Eh bien voilà, ils ont décidé de contacter la personne référente de la SCO sur Koumak, qui est Rémi, et donc ils lui ont demandé de participer à un projet. Et donc la fabrication de leurs s'est présentée à eux. Il y a Camille, on va faire un tour sur l'îlot? Exactement, on va faire un tour sur l'îlot Tangadieu, mais avant, on va aller d'abord en classe pour voir comment ces leurres ont été fabriquées. Regardez, c'est un reportage signé Cédric Théa et André Ravel. Nous sommes dans l'eau.
T'as pas besoin que ce soit aussi lisse. Juste, il faut rayer un peu partout. Et frotter dans les coins surtout, pas que sur là où c'est lisse. Hein. Faut aller chercher des petits coins. Et sur la tête, hein, essentiellement. Je récupère les pinceaux. Asseyez-vous, asseyez-vous, allez. Vous avez poncé les leurres en plâtre qui ont été érodées par le vent et le sable. Maintenant, pour les repeindre, on a l'oiseau qui est là. Je ne suis pas du tout un grand dessinateur. L'objectif, c'est de sensibiliser les enfants, donc bon, c'est des sixièmes, à leur patrimoine naturel et aussi à leur environnement. Mais ça rentre complètement dans le cadre de leur cursus pédagogique. Et comme ça. C'est parti ? Oui. On peint. Continue, tu fais ton trait, tu fais ça jusqu'à l'autre œil. D'accord ? Tu fais comme ça sur le trait ? Ouais. Aujourd'hui, bon, ben, ils ont manipulé, donc forcément, ils voient l'oiseau, ils dessinent carrément son plumage, donc ça les permet vraiment de garder les critères de reconnaissance de cette espèce, mieux que personne, parce qu'ils ont carrément dessiné les contours du plumage. Là, il reste à faire le bord d'attaque de l'aile, un petit trait fin, pour marquer l'aile de chaque côté. Un noir ? Oui. Et après, on n'aura plus qu'à le poser sur l'îlot, sur les lieux de nidification. Il y en a tellement des parfaits partout que je ne sais plus où donner la tête, c'est bon. On va tous les mettre ensemble. Et maintenant, on a notre colonie. Hein. Voilà. Voilà la petite colonie de Stern Néréis. Là où on va les mettre à l'îlot Tangadiou la semaine prochaine avec les enfants. L'îlot est favorable aux Stern Néréis, mais ils n'ont jamais niché sur cet îlot-là, à notre connaissance. Donc il y a vraiment un caractère expérimental pour les leurres, à essayer de les faire venir à un endroit où. Où elles n'ont jamais été observées encore en reproduction. On va essayer de suivre cet îlot-là régulièrement, vu qu'il y a des opérations de reboisement avec la province Nord. C'est un îlot sur lequel on va assez souvent, ou les membres de la province, le district forestier ou les gardes nature. Donc on pourra observer facilement s'il y a installation d'oiseaux ou des oiseaux qui sont intéressés par ces leurres. Attends le carton, on va le prendre de ce côté-là. On va donc aller sur l'îlot Tangadiou, qui se trouve être l'îlot le plus au sud, là, devant nous, les trois. Pour l'instant, il y a deux embarcations, on va dire, légères. Donc on peut monter à 5 dessus, maximum. Donc il y a deux groupes qui vont partir. Il y en a qui vont rester ici en attendant. Non, pas avec celui-là. Non, pas avec celui-là. Asseyez-vous derrière, au moins deux. Deux, allez, vous deux, descendez de la ferme. Là. Ah, là-bas, je m'arrête. Tiens, monsieur, on est où les gilets ? En fait, en regardant le bec d'un oiseau, je vous l'ai dit, hein, vous vous souvenez qu'est-ce qu'on voit en regardant un bec ? Oui, il est fort. Le point blanc, le point noir. Non. On voit son régime alimentaire. On voit si l'oiseau il est piscivore, carnivore,
s'il va manger des crabes. Vous comprenez pourquoi ? Quand il a un bec qui est assez gros, assez fort, on comprend qu'il peut casser les carapaces, qu'il peut casser les coquilles, des crabes, des petits coquillages. Alors que quand ils ont des becs tout fins, on se dit que peut-être qu'ils vont plutôt aller plonger pour prendre des petits poissons, manger des vers ou... Hein, mais donc la forme de son bec, ça va nous indiquer tout de suite en fait de quoi il est capable de se nourrir cet oiseau. C'est un projet qui vraiment suscite leur intérêt. Bah, d'une part, c'est intéressant de leur proposer du concret. C'est-à-dire qu'on sait, très bien qu'avec des enfants, plus c'est concret, plus on va les intéresser, avoir leur attention. Les oiseaux, c'est quelque chose qu'ils connaissent. On les entend siffler, on les entend... et puis on voit qu'ils connaissent certains oiseaux. Donc au départ, c'est un peu difficile pour voir là-dedans. Alors, et ça, c'est quoi ? Bien. Cette action ornithologique qui pourrait s'apparenter à presque de la science et du coup a été adaptée pour le programme pédagogique des élèves de 6e et très facilement on a pu adapter nos discours, nos thèmes à leur programme parce que ça s'impliquait bien à la connaissance des espèces, de leur habitat. Donc maintenant ils savent reconnaître différentes familles d'oiseaux marins et côtiers. Et ça, c'est déjà bien. Donc, allez, les plumes, vous savez comment c'est fait ? Les plumes, ils sont obligés de se les lisser parce que c'est fait de petits crochets, en fait. Et des fois, ils ont les plumes ébouriffées, comme nous, quand on a des nœuds dans les cheveux. Et eux, c'est l'inverse. Oui, c'est pareil, ils enlèvent les nœuds pour que leurs plumes elles soient bien, bien lisses et que, du coup, le vent, qu'elles puissent se poser dans l'air, quoi. Les oiseaux marins, c'est un des grands enjeux mondiaux. C'est le groupe d'espèces qui se porte le plus mal. Et il y en a beaucoup en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup d'îlots, il y a beaucoup de récifs. Donc c'est important de protéger les oiseaux marins ici. On va aller poser les leurres de Néris, hein. On part, on fait tout. Ok ? On va prendre le carton avec les leurres. Oui. La longue vue, on va traverser l'îlot et on va aller du côté du vent avant que le vent se lève et on reviendra à l'abri du vent. Pourquoi c'est important une mangrove ? Ça sert à quoi ? Vous voyez par exemple là en bas de Thiébaghi, est-ce que l'eau elle est propre, elle est bien claire ? Là où on a embarqué tout à l'heure, est-ce qu'elle est bien propre cette eau ? Non, elle n'est pas propre à cause de quoi ? À cause de la mine, à cause de toutes ces boues hein, qui vont être emportées par les rivières, par les pluies. Bah, la mangrove elle sert à filtrer un petit peu cette eau de pluie qui va arriver. Et du coup, les coraux qui vont vivre derrière bah, vont pouvoir avoir une eau assez claire pour pouvoir se développer. Quand on dit qu'il faut faire attention à tous les produits chimiques, les engrais, etc., mais tout ça, ce sont des produits qui vont arriver dans la mangrove. Alors, vous savez pourquoi est-ce qu'il faut ramasser ça ? Attends, les oiseaux, on ne peut pas manger. Ok, donc là on a ramassé un déchet qui traînait. On n'est pas venu exprès, mais quand on en rencontre, on les ramasse, ok ? Pep, regardez. Là, c'est quoi ça ? C'est un nid. Papillon. Voilà. Hippocampe. Je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, il y a eu un insecte dedans. Oui, c'est des chenilles. Il y en a peut-être encore un. Très bien. On va marcher les uns derrière les autres. Il y a la mouette qui se rapproche de nous. Ok ? Et normalement, on va mettre les leurres de sterne sur la pointe de sable qui est là. Voilà. Donc les menaces qui pèsent sur la Sternéréis, elles sont énormes parce que la population n'est seulement élevée qu'à 160 couples. La principale menace, c'est le dérangement humain. Les œufs, s'ils ne sont pas couvés, peuvent griller au soleil ou les embryons peuvent mourir de froid si c'est la nuit. Et ça peut être aussi les espèces invasives.
donc comme les rats, les chats, les chiens, donc, qui sont à proscrire sur les îlots. Tu l'as, tu le recules, merci. Madame la reine, regardez-moi les enfants. Là, on est sur l'habitat de nidification d'Esterne Mireis. Donc, ça, c'est des endroits sur les îlots où il n'y a pas de végétation comme ça. Bon, ben, ça leur plaît hein, parce qu'il n'y a pas. Les prédateurs, ils peuvent pas se percher près. Et donc, ça sert à rien de faire un nid autour des sternes. Le poser est très simple en fait parce que elles font, vous avez vu qu'elles mettent leurs œufs juste sur le sable comme ça quoi. Elles construisent rien. Elles construisent vraiment rien. Elles mettent un ou deux œufs comme ça sur les. Là où il y a le corail mort. Donc là ici, qu'est-ce qu'on a ? Corail. Du corail mort. Donc on est sur leur habitat. On est sur l'habitat des Sternes Mireis. Donc les leurs, ils sont très bien comme ils sont. On va les laisser. Hein. Voilà pour le travail de cette classe, un travail du coup réalisé en cours d'art plastique parce qu'ils ont du coup ils ont travaillé sur la morphologie de l'animal et la peinture et aussi un travail réalisé en cours de sciences pour parler bien du mode de vie de l'espèce. Alors qu'est-ce que cette étude a permis finalement ? Eh bien les résultats de cette étude, eh bien ils vont être donnés plus tard, on a vu c'est expérimental, on doit voir si l'année prochaine eh bien des sternes vont venir sur cet îlot Tangadhiou, en tout cas on l'espère. D'accord. Et quels sont les suivis en ce moment ? Eh bien, en ce moment, eh bien, comme chaque année, à la période de nidification, eh bien, on protège les nids de Sternes Mireis par des barrières. Et en province nord, on est toujours en train de dératiser les îlots, par exemple à Koumac. Par exemple, depuis 2011, eh bien, la brigade des gardes nature et la SCO dératisent un îlot que nous sommes allés filmer pour l'émission Weari. Donc je vous propose tout de suite de regarder un petit extrait de cette émission. Vous allez voir, ils ont installé des pièges à rats partout sur l'îlot. Regardez. Alors B1. Rien. Tac, je contrôle le wax tag. C'est à base de beurre de cacahuète, donc c'est censé attirer les rats. Vu que les rats mordent tout, pas de traces de dents de rats. Ça veut dire que, a priori, il n'y a pas eu de présence de rats autour de ce point-là la nuit dernière. Chaque jour, on vérifie chaque piège pour voir s'il n'y a pas de cadavre et s'il n'y a pas de traces de dents sur les wax tags. À la fin du séjour, si on n'a aucun indice de présence de rats, on pourra dire que l'opération de dératisation initiée il y a un an et demi est en bonne voie. On va recommencer cette opération de vérification des effets de la dératisation dans 5 ou 6 mois. Et si à l'issue de cette deuxième vérification, on trouve aucun indice de présence des rats, on pourra dire que l'îlot Tchak a été dératisé et que les rats ne sont pas revenus. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de rats. Alors, comment ça se passe ? Bah, nickel, pour l'instant, on n'a eu aucun indice de présence de rats. Quoi. Alors, est-ce qu'il y a ou il n'y a plus de rats ? Il n'y a plus, pas pour le moment, en tout cas.
D'accord, et je suppose qu'il y a des consignes à respecter pour nous, en fait. Eh bien oui, face aux sternes, il faut eh bien, les laisser tranquilles, prendre un maximum de distance. Il faut au moins laisser une vingtaine de mètres entre nous et l'animal, parce que si l'animal s'envole, quitte son œuf, eh bien l'œuf peut mourir à cause de la chaleur. Donc voilà, gardez vos distances avec les sternes. Et si on voit, là, on fait quoi, voilà. Eh bien, si vous en voyez en danger, si vous ne savez pas trop s'il y a un îlot qui est fréquenté ou non par les sternes, eh bien, vous pouvez appeler la SCO, la Société Calédonienne d'Ornithologie, au 23 33 42 pour demander des informations ou pour signaler un animal en danger. Et si on veut plus d'informations, on peut regarder le magazine Weary que tu as réalisé avec Cédric sur NCTV. Merci Camille. Merci Elise. Au revoir, à bientôt. Voilà, on retrouve tout de suite notre rubrique Demandez le programme. Salut Chloé. Salut Élise et salut à tous. Aujourd'hui, je vous présente deux films français qui sortent ce mois-ci. Alors, dis-nous tout. Alors, le premier film que je vous propose, c'est un film policier qui est réalisé donc par Fabrice Duvels. Il s'intitule Colt 45 et c'est un film donc avec Gérard Lanvin, Joe Star et Imanol Percé, qui est un jeune acteur français qui décroche avec ce film donc son troisième rôle sur grand écran. Il avait également joué un petit rôle dans 4 épisodes de la série Engrenage, qui est donc la première série française à avoir été diffusée sur Canal+, et à avoir été vendue dans près de 70 pays. Donc c'est un polar, c'est ça? Exactement, c'est bien ça. Donc un film apparemment très sombre et violent. Il est d'ailleurs interdit aux moins de 12 ans. Et donc le scénariste Fatih Bediar, pardon, c'est aussi un ancien journaliste spécialisé justement dans les films policiers. Il travaillait pour le magazine Mad Movies, pardon. Et le casting est 100% polar, on dirait. Exactement, donc pour Colt 45, le réalisateur Fabrice Duvel s'est entouré donc d'acteurs habitués des films policiers. Donc il y a bien sûr Gérard Lanvin qu'on ne présente plus, on l'a vu dans À bout portant, Les Lyonnais ou 96 heures. Joe Star qu'on ne présente plus non plus, oui, qui a joué dans la série Mafiosa, L'Immortel, La Marque des Anges. Et il y a aussi le Suisse Antoine Bessler qu'on a vu dans L'Assaut ou encore la saison 3 de la série Braco. Mm-hmm. Et puis Simon Abkarian que l'on a vu dans Pigalle la nuit ou encore le film De Force, voilà, pour ne citer que. Voilà, avis aux amateurs de films noirs. Et je vous propose de découvrir la bande-annonce tout de suite. Monsieur Miles, quand on a un talent comme le vôtre, on règne en enfer. On ne sert pas au paradis. J'aimerais te détacher chez nous, la berbère. Non, mais j'ai aucune expérience du terrain, je vais rien pouvoir t'apporter, moi. La place est dans les tranchées, pas dans ton atelier. Je suis sur un projet qui réclame beaucoup de temps et d'attention. La balle explose dans l'impact, elle ressort pas. À quoi tu es en? C'est illégal si je fais ça. Tu devrais y réfléchir. Casse-toi, la Milo. C'est un flic. Je veux juste que tu lui fasses peur. Tout est réglé. T'as jamais tué personne. Faut renvoyer l'ascenseur maintenant. Et ils veulent quoi en échange? On va commencer par tes cartouches. Me baiser, la Milo. Ah non, je te fais la moi, là. Comme une petite gonzesse. Tu les sens, mes couilles? On a un braquage qui a mal tourné. Je voudrais ton avis. Les seuls indices qu'on a, c'est ces cartouches. T'en as déjà vu des pareils, toi? Non. T'as une idée de qui ça peut être? Il va falloir fouiller du côté de chez nous. On a très peu de temps pour savoir qui nous a baisés. Vincent, t'es un mec bien. Les conneries, ça se rachète. Mais ça va coûter très cher. Si j'avais été plus près de toi, tout ça serait pas arrivé. Voilà, donc en effet, ce jeune flic semble être pris au piège par ses ripos. Et puis, si vous voulez voir la fin du film, eh bien, ce film sort ce mois-ci. Et on continue avec une deuxième sortie. Oui, Élise, alors comme je vous le disais au début, c'est aussi un film français, mais d'un tout autre registre cette fois, puisqu'il s'agit d'une comédie. Bon, ben on va rire. Allez, rayons un peu. Le film s'intitule SMS. Donc, tout le monde sait ce que c'est de nos jours, un SMS. Hein, ce sont les textos, les messages qu'on envoie par téléphone. Et donc, c'est une comédie de Julien Leferrière, avec notamment Franck Dubosc et Guillaume de
Tonquédec, que l'on connaît bien maintenant, puisqu'on le voit régulièrement dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Ouais, j'adore cette série avec Bruno Salomon, c'est ça, ouais. Où on partage un peu le quotidien des deux familles qui ont une éducation un peu opposée. Et puis, ce sont les familles Lepic et Leboulet, c'est ça? Exactement, ouais. famille Lepic et Boulet. Donc, Guillaume de Tonquédec interprète, lui, le patriarche de la famille Lepic. Et donc, Gabriel Julien Leferrière, étant réalisateur, il avait réalisé plusieurs épisodes de cette série. C'est donc comme ça qu'ils se sont connus et qu'ils ont développé une complicité de travail. D'accord, et qu'il a eu l'occasion justement de donner le premier rôle. Tout à fait, c'est bien ça. Donc après son deuxième long métrage, Neuilly sa mère, donc alors le début du scénario est tiré d'une histoire vraie et du roman éponyme de Laurent Benegui paru en 2009. Tout par SMS ? Voilà, tout part d'un SMS. À 9h, il reçoit un SMS. 9h01, il se fait voler son portable. 9h30, son fils disparaît. 10h, sa maison brûle. 10h15, sa femme le quitte. 10h30, son entreprise est liquidée. 11h, il est en garde à vue. Et ce n'est que le début. Donc un film qui a l'air d'être rythmé par une avalanche d'événements. Exact. Donc imprévisible et catastrophique qui lui tombe, on va dire, comme ça, au fur et à mesure sur la tête. Tout à fait, voilà. Donc catastrophe sur catastrophe, c'est bien ça. On peut dire que l'acteur principal n'a pas été ménagé pendant le tournage. Donc le réalisateur l'a fait courir. Il l'a suspendu par les pieds dans le vide. Il l'a mis sous des trompes d'eau. Il a pris un plafond sur la tête, il s'est fait plaquer au sol, il s'est fait menotter, mais toujours avec le sourire entre les prises, hein, d'après le réalisateur, et puis donc un flegme presque britannique, hein, qui le rend si drôle et si touchant à l'écran. Voilà, et puis ce film SMS, c'est aussi un moyen de dénoncer avec humour les dangers justement des ondes électromagnétiques, notamment à travers le personnage incarné justement de Franck Dubosc, qui souffre d'hyper-électro-sensibilité. Effectivement, donc le réalisateur évoque la polémique donc sur les dangers des ondes électromagnétiques qui nous traversent tous les jours, puisque lui-même fait partie des gens que ça trouble. Donc il a d'ailleurs interrogé plusieurs professionnels de la téléphonie qui sont plutôt restés évasifs, qui ont même préféré garder le secret et l'anonymat. Donc il a une certaine méfiance, hein, vis-à-vis des technologies qui nous entourent et dont on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences, hein, surtout quand elles sont aussi lucratives. Mmh. Voilà, donc il refuse pas la modernité pour autant, bien au contraire. Donc certains pays reconnaissent les pathologies liées à ces ondes électromagnétiques et d'autres non. Donc c'est pour ça qu'il lui a semblé important en fait que son personnage assume donc une part dramatique, hein, sans pour autant plomber le film. Et Franck Dubosc incarne parfaitement donc ce personnage qui est à la fois déjanté et qui a quand même une fantaisie assez sincère, sans second degré, sans farce. D'accord, et on peut dire justement que ce film est construit sur un récit initiatique. Exactement, alors le personnage principal va traverser donc comme on l'a dit, une série d'épreuves, hein, qui vont lui faire réaliser en fait quelles sont les vraies priorités dans sa vie. Donc le personnage évolue tout au long du film et gagne en maturité à la fin. Donc au début, il est confronté à des problèmes qui lui paraissent vitaux, hein, pour son quotidien. Donc il est préoccupé par sa boîte, par la banque, par son téléphone. Et puis à un moment, sa maison va brûler et c'est là qu'il va se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur son fils. La vie va se charger pour lui de trier en fait et d'éliminer tout ce qui n'est pas essentiel finalement pour qu'il mène une belle existence. Donc ce récit initiatique est porté aussi par la voix off tout au long du film, la voix du personnage qui est pendu, donc comme je le disais, par les pieds au-dessus d'une mère déchaînée. Il parle à son fils en fait et c'est comme s'il lui donnait un petit peu sa dernière leçon de vie. D'accord. Voilà, donc je vous propose de découvrir la bande-annonce. Milo, mon fils, a priori je ne serai pas là pour ton anniversaire. C'est pas de la mauvaise volonté, mais laisse-moi t'expliquer comment j'en suis arrivé là. Quand je repense à notre histoire, j'ai que des bons souvenirs. Tu peux arrêter de faire du bruit avec ta bouche ? C'est pas pour me vanter, mais je nous avais construit une putain de belle vie. Jusqu'à ce matin-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il était à peine 9h30 et il pleuvait dans ta chambre. J'ai construit une sarcophage sur Tchernobyl. Bon, j'avais peut-être pas choisi le meilleur entrepreneur. Ta mère panique toujours trop vite, mais moi je sais la rassurer. C'est pour ça qu'elle m'aime. Mais t'es un malade. Et c'est là que j'ai reçu ce SMS. Ta mère se faisait ambiancer par un torero. Papa ! Putain ! Alors oui, c'est vrai. J'ai pas pris la bonne décision. Allez, moi, je te filerai la thune ! Milo ? Ouais. Mais je t'ai cherché partout, je t'assure. Milo ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Bonjour, monsieur. C'est mon bureau, quand même. Ça t'empêche pas de dire bonjour ? J'ai même demandé de l'aide à mon ex, mais c'était un peu gênant. Alors je suis allé voir tonton Vincent, et là, ça a vraiment dérapé. Tu vois, Milo, dans ta vie, tu vas traverser des moments difficiles. Allez, Laurent,
stop la loose. Eh ben, tu devras rester optimiste. Il y a l'huissier, il est passé un quart d'heure. Bon, ok, ça n'explique toujours pas ce que je fais là, mais j'ai très très envie de pisser et dans ma position, je sens que je vais pas aimer. Alors là, je me demande bien comment ça va se finir. Tout cela, on n'a qu'à aller regarder la fin du film. Et on continue donc au Chloé avec les autres sorties dans les autres salles du pays. Oui, alors cette semaine, à la fois retrouvé donc, le western déjanté de Seth MacFarlane, Albert à l'Ouest. Donc une séance aujourd'hui et demain à 17h30. Et puis samedi, deux séances comme d'habitude à 17h et 19h30. Je précise que cette comédie est interdite aux moins de 12 ans. Voilà, et pour le cinéma de Bourail, place à l'action avec le dernier film de Luc Besson, Lucie. Donc une séance aujourd'hui à 17h30 et samedi 6 à 18h30. Pardon. D'accord. Et puis donc à l'affiche également une comédie américaine de Nicolas Stoller qui s'appelle donc Nos pires voisins. Donc c'est l'histoire en fait d'un couple de trentenaires qui vient d'avoir un enfant. Donc ils sont nouveaux parents, ils emménagent dans la maison de leurs rêves, dans un quartier bien tranquille pour démarrer en fait cette nouvelle étape dans leur vie. Donc c'était sans compter bien sûr sur leurs nouveaux voisins qui débarquent et qui s'avèrent être en fait les membres d'une confrérie étudiante et qui organisent fiesta sur fiesta. D'accord. Donc petit à petit, une guerre va se déclencher entre eux et les choses vont dégénérer. Voilà, donc il y aura une séance demain jeudi 4 et une autre vendredi 5, ces deux séances à 18h30. D'accord, c'est noté. On finit cette chronique avec du cinéma. Donc on rend hommage plutôt à un célèbre comédien américain qui nous a quittés récemment. Oui, alors je ne pouvais pas ne pas en parler, d'autant plus que ces films ont bercé notre génération. Mmh. Je veux bien sûr parler de Robin Williams. Est-ce que toi, il y a des films de Robin Williams qui t'ont marqué ? Bah, y a Peter Pan, il y a Jumanji, oui. Pour ne citer que ça. Il y a d'autres films, mais ça ne me vient plus en tête. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce comédien. Moi aussi, j'adorais cet acteur. Donc effectivement, Jumanji, Hook, Peter Pan, donc le cercle des poètes disparus aussi, ah oui, Madame Doubtfire, ouais. Good Morning Vietnam. Voilà, donc ce sont tant de films qui ont marqué notre jeunesse. Donc Robin Williams nous a quittés le 11 août dernier à l'âge de 63 ans. Mmh. C'était donc à son domicile en Californie. Et donc à l'annonce de son décès, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les hommages réalisés par les internautes attristés se sont succédés sur le net. Et il y a une vidéo qui ressort du lot. C'est une boîte de création irlandaise qui a réalisé donc cette vidéo qui a généré plus de 9 700 000 clics sur YouTube. Mmh. Donc la vidéo a été publiée quelques heures après son décès. Et donc elle retrace les moments forts de la carrière du comédien. Et donc on entend tout au long de la vidéo la voix de Robin Williams extraite du film Jack. Voilà, donc la vidéo dure une minute. Je l'ai sous-titrée pour vous et je vous laisse la découvrir. Please, don't worry so much. Because in the end, none of us have very long on this earth. Life is fleeting. And if you're ever distressed, cast your eyes to the summer sky. When the stars are strung across the velvety night, when a shooting star streaks through the blackness, turning night into day, make a wish. Think of me. And make your life spectacular. I know I did. Voilà, donc un bel hommage pour se rappeler ce comédien que tout le monde pleure depuis deux semaines. Merci Chloé. Merci Élise, merci à tous, à très bientôt. Alors, on retrouve Mara pour la rubrique La science et nous. Salut Mara. Salut Élise, bonjour à tous. C'est un constat peu glorieux qui est fait aujourd'hui à travers le monde. On compte de plus en plus d'espèces en voie de disparition, voire disparues tout simplement. Les espèces végétales comme animales sont touchées par ce phénomène et tous les animaux sont victimes. Mmh. Les mammifères, les poissons, les oiseaux, absolument tous. Et bien sûr, ça c'est à cause de nous les humains.
Alors, j'ai envie de dire oui, mais les causes sont quand même nombreuses. Depuis l'apparition de la vie sur Terre, il y a eu des apparitions et des disparitions d'espèces. Il y a des causes naturelles à ce phénomène, comme par exemple la sécheresse, la fonte des glaces, les incendies ou encore le manque de nourriture. Mais c'est tout à fait vrai, Élise. C'est surtout à cause de nous, les hommes, que ces espèces disparaissent. Les mers et les forêts sont saccagées, exploitées, polluées. C'est ça, la réalité. Alors, les animaux, on les chasse pour leur viande, leur peau, leurs dents, leurs écailles, leurs plumes ou encore leur graisse pour fabriquer toutes sortes de choses, hein, des vêtements, des bijoux ou encore des produits de cosmétiques. Et puis il faut le dire, on s'est toujours servi dans la nature sans se préoccuper des conséquences. Exactement. Et malheureusement, elles sont nombreuses, ces conséquences. Il faut bien se le dire, si 10 espèces animales disparaissent, c'est tout l'équilibre écologique qui est bouleversé. Les plantes qu'ils mangeaient, les prédateurs qui les chassaient et ainsi de suite. D'accord. Et si, si des milliers d'espèces disparaissent chaque année, que ce n'est pas la Terre entière qui s'en trouve menacée? Eh bien, si, malheureusement, bien sûr que oui, les chiffres font quand même franchement peur, il faut le dire. La planète verrait disparaître jusqu'à 50 000 espèces, animaux, végétaux, insectes, poissons, hein, tout confondu, chaque année. Donc forcément, autant d'espèces qui disparaissent, ça veut dire que la Terre elle-même est en péril, parce que chacune de ces espèces est liée à des dizaines d'autres. Il ne faut jamais l'oublier, soit parce que c'est un herbivore qui sert de garde-manger à un carnivore, soit parce que c'est un insecte qui peut contribuer à l'équilibre entre les plantes et les insectes ravageurs dans une région donnée. Voilà. D'accord, tout donc est lié. Si ça continue comme ça, les hommes vont bientôt disparaître de la surface de la Terre. En tout cas, des espèces qui disparaissent à ce rythme-là, c'est arrivé seulement 5 fois au cours de l'histoire de notre planète, et ça correspond en fait aux 5 grandes extinctions de masse qu'il y a eu. La dernière en date, c'est celle qui a vu l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Et juste pour faire réfléchir un peu, il faut quand même bien se dire que les dinosaures ont été présents sur Terre pendant près de 150 millions d'années. Alors que nous, les plus anciens ancêtres qu'on a, ce sont les Australopithèques, ils sont apparus il y a à peine 4 millions d'années. Ouais. Donc voilà, il faut bien se dire que on n'est pas invincible. Ouais, pourtant, en parlant des dinosaures, ils ont disparu jusqu'au dernier. Hein, donc, exactement. Comme quoi, il ne faut pas se croire invincible. Exactement. Il n'y en a plus un seul de nos jours. Pourtant, ils étaient énormes. Ils sont restés pendant très longtemps. Ils prenaient toute la place. Et aujourd'hui, il n'y en a plus un seul. Donc, de toute façon, on est amené à disparaître. C'est le processus naturel de l'évolution, tout comme la plupart des espèces. Le seul truc, c'est que de nos jours, à cause de toutes les perturbations que nous, les hommes, on fait subir à la planète, le rythme de disparition est beaucoup plus élevé, beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'il devrait être naturellement. Il y a des espèces qui disparaissent entièrement par notre faute, et je pense notamment aux tigres. Il y a beaucoup de sortes de tigres qui ont disparu déjà? Oui, sur les 9 sous-espèces de tigres qui existent ou qui existaient, il y en a 4 qui ont déjà disparu au cours du 20e et du 21e siècle. Donc c'est quand même récent. Ouais. C'est presque la moitié, exactement. Donc il y a par exemple le tigre de Bali qui vivait uniquement sur l'île de Bali, comme son nom l'indique. Il y a le tigre de Java, pareil, qui vivait uniquement sur l'île de Java. Le tigre de Caspienne qui lui a disparu à la fin des années 50. Et également, on n'en est pas sûr, mais le dernier spécimen n'a été observé qu'en 1983. Il s'agit du tigre de Chine méridionale. Mais elles se ressemblent toutes ces sous-espèces. Comment on fait pour les différencier? Elles se ressemblent beaucoup, mais quand on regarde bien, il y a quand même des grosses différences au niveau de leur taille, notamment, et aussi au niveau de la couleur de leur pelage. Par exemple, le tigre de Sibérie, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est le plus grand et le plus clair de tous. Oh, c'est mignon, ils font des câlins. Oui, c'est mignon. Et d'ailleurs, figure-toi que ces tigres, on les appelle aussi les tigres de l'amour. D'accord. Bon, par contre, dommage, ça n'a rien à voir avec leur comportement. Ouais. On aurait bien aimé, mais non, c'est par rapport à leur région d'origine, en fait. Et donc, comparé au tigre de Sibérie, le tigre de Sumatra, que vous pouvez voir aussi à l'écran, lui, c'est le plus petit et le plus foncé de tous les tigres. Et puis sinon, tout simplement, on peut aussi les différencier de par leur localisation géographique. D'accord. Donc aujourd'hui, il nous reste les tigres de Sibérie, les tigres de Sumatra et c'est tout? Non. Il y a aussi les tigres de Malaisie, d'Indochine et du Bengale. Mais leur existence à tous est gravement menacée. En 2010, leur population était estimée à 3200 individus seulement. Et, sur toute la planète? Sur toute la planète, oui. Donc aujourd'hui, en plus, on pense que ce chiffre doit être revu à la baisse. Donc, des études sont actuellement menées pour estimer leur nombre de façon relativement fiable. Je vous propose de regarder tout ça en images.
Le tigre, une espèce particulièrement en danger. Depuis le début du XXe siècle, on estime que le nombre de ces animaux a chuté de 97%. Difficile de savoir en fait avec précision quel est le nombre de tigres encore en liberté. En 2010, une estimation évaluait leur population à 3200 spécimens. Pour le WWF, il y a deux raisons pour voir ce chiffre à la baisse. La première, c'est que ce chiffre remonte à 2010 et qu'en 4 ans, les choses ont pu changer. La seconde, c'est que nous ne savons pas si ce chiffre de 2010 était juste. Il peut y avoir plus de tigres ou moins, parce que plusieurs gouvernements, plusieurs organisations ont fait en sorte de gonfler les chiffres pour se mettre en phase avec la volonté de doubler le nombre de tigres d'ici la prochaine année du tigre, soit en 2022. Mais à moins de faire des évaluations périodiques, nous ne saurons jamais si nous allons ou non y parvenir. Pour mieux évaluer sa population de tigres, l'Inde utilise des pièges caméras installés dans des arbres, le long des passages régulièrement utilisés par les félins. Dotés de capteurs, ces pièges activent les caméras dès qu'un tigre apparaît. Puisque les dessins des rayures des tigres sont toutes différentes, on peut ainsi estimer leur nombre. Et d'autres pays s'y mettent. On espère ainsi que d'ici 2016, on pourra avoir un chiffre relativement fiable du nombre de spécimens d'une espèce très menacée. L'année du tigre en plus arrive vite, en 2022 là, ouais. Comment on fait pour inverser la tendance? Ce qui menace le plus les tigres de nos jours, c'est le braconnage, le commerce illégal, la perte de l'habitat et puis surtout le peu de volonté politique pour contrer ces menaces justement. Donc les tigres, ça fait plus de 1000 ans qu'on les chasse et comme symbole de statut social finalement, ouais. C'est symbole de richesse d'avoir une peau de tigre ou quelque chose comme ça. Et puis également les produits dérivés comme les os et les moustaches sont très prisés par exemple en Chine pour la médecine traditionnelle. Donc pour inverser la tendance, il faudrait faire preuve d'un peu de courage politique pour lutter contre tout ça. Mais c'est une espèce protégée. Alors oui, les tigres bénéficient d'un statut de protection dans toute leur aire de répartition et le commerce de tous les produits dérivés commerciaux est illégal. Mais le trafic, il persiste et puis la demande des consommateurs ne diminue pas. Mmh. C'est ça le problème. Espérons que ça ne soit pas trop tard. Ça serait une vraie catastrophe pour la planète. Et je crois que tu voulais terminer cette chronique sur une note un peu plus, gaie, avec un poisson pilote, c'est ça? Oui, Elie, c'est ça, mais je veux te parler d'un poisson qui est réellement pilote. Alors, les images ont toujours mieux valu que les mots, donc je vous laisse regarder. On connaissait déjà l'existence de poissons pilotes, mais vraiment on ne les imaginait pas sous cette forme. Dans ce bocal, un poisson rouge, un bocal monté sur roulette motorisée. Eh bien, c'est le poisson qui, en naviguant de gauche à droite, donne la direction de son propre bocal. Mais pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, il s'agit juste de démontrer les futures possibilités de la reconnaissance visuelle. Et ce sont des chercheurs néerlandais qui ont fait tout ça. Il est aussi possible d'élaborer des systèmes et des produits qui auront une vision informatique et une reconnaissance visuelle pour pouvoir interagir avec un autre appareil. Pour ces concepteurs, le champ d'application est énorme, avec une interaction toujours plus attendue entre l'homme et la machine. Nous pensons qu'avec la vision informatique, vous allez pouvoir interagir avec des appareils d'une façon très logique, parce que c'est aussi la façon dont les humains interagissent. On voit les choses, le langage corporel représente 90% de tout le langage. Donc si on est capable de faire ça avec des caméras et des systèmes, alors je pense qu'à la fin, on peut créer des produits avec lesquels on peut interagir de façon beaucoup plus naturelle. C'est notre but. En attendant, on peut déjà voir le poisson courir partout dans l'appartement, un véritable animal de compagnie.
Ah ben, franchement, ils savent s'amuser quand même, les scientifiques. Hein. Oui, bon, avec leur humour de scientifique, quoi. Mais bon, voilà, c'est ça aussi, hein, la recherche. On observe, on analyse, on essaye de comprendre. C'est comme ça qu'on avance. Comme la vie, quoi. Merci, Mara. Merci à toi, Élise. Merci à tous. Voilà, c'est avec cette chronique que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Tata à tous.